Mesdames, messieurs, membres du jury, bien le bonjour. Permettez-moi de me présenter avant toute chose. Je m'appelle Aurore, j'ai 15 ans, j'habite Paris et suis en France depuis peu. Mes parents, travaillant en tant que médecin humanitaire, je fus contrainte de les suivre tout au long de leur voyage à travers le monde. J'ai vécu dans différents pays, très riches comme très indigents, démunis de tout. Du haut de mon jeune âge, j'ai vu des choses que même vous n'avez peut-être jamais vues. Je ne vous parle pas des monuments visités, des musées parcourus ou bien des festivités auxquelles j'ai pu assister. Non, je vous parle des gens, du contact humain que j'ai entretenu avec certains, riches et pauvres, qui m'ont apporté bien plus que n'importe qui. J'en veux pour preuve ma stupéfiante rencontre de cette femme à Rio, ayant pour jupe un vieux tissu, une sorte de débardeur usé, un peu déchiré, d'un bleu étincelant, portant un seau d'eau à la main, en chantant, en fredonnant une chanson qui m'était inconnue. Elle devait sûrement aller chercher de l'eau pour elle et sa famille. Mais malgré ça, elle rayonnait, je vous jure, et avait cette rage de vie. Vous savez, ce sentiment de bien-être absolu qui dépasse toutes les frontières, vous fait avancer de plus en plus loin. C'est alors que je compris, oui, mesdames, messieurs, j'ai compris, qu'elle connaissait le bonheur et qu'elle le vivait à cet instant précis et qu'elle y croyait. Je peux vous affirmer que cette rencontre a totalement été déterminante pour moi, car elle m'a ouvert les yeux sur cet état si puissant et si étrange qu'est le bonheur. Cette femme de Rio devait le connaître et le vivre de tout son être, alors que moi, qui ai la chance d'avoir accès à tout ce dont j'ai besoin librement, je ne suis pas sûre de le connaître au juste. Bien sûr que je suis heureuse qu'il ne serait pas à ma place. J'ai une famille et des amis qui m'aiment et que j'aime en retour, une maison confortable, j'étudie, j'ai la chance d'être dans un des meilleurs lycées de Paris, et pour me nourrir, j'ai tout un tas de possibilités pour assasier mon insatiable goût pour les délices de la cuisine. Cela pour vous dire que je n'ai pas à me plaindre, et tout ce qui m'est nécessaire est beaucoup de chance. Mais malgré ça, je ne suis pas sûre de connaître pleinement le bonheur. Comme j'étais intriguée, je me suis lancée dans des recherches afin de mieux cerner cette notion, autant matérielle que philosophique. J'ai donc appris que le bonheur est devenu l'objet d'une quête effrénée dans le contexte si favorable aux Lumières. Il n'a cessé depuis d'obséder l'homme, tant son mystère intrigue et nous fascine. Le dictionnaire le définit comme un état caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur, un plaisir éphémère non plus. Certes, il ne se cherche pas. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut attraper, toucher. Il n'est pas tangible. Il n'apparaît pas devant nos yeux lorsqu'on le sollicite. Ainsi donc, il ne se cache pas. Bien au contraire, il se préserve afin d'arriver au moment voulu. Il faut savoir l'accueillir lorsqu'il vient à nous, le saisir d'un geste bref et vif, intense et précis, ne pas le laisser s'échapper sans l'étouffer. Il ne dévaste pas, il rayonne en nous, il est en nous comme un soleil. Il nous rend meilleurs, nous fait découvrir la vie d'une autre façon, mais des couleurs aux espaces vides. Mais il arrive néanmoins que l'homme, lui-même, se l'interdise et l'interdise. Il s'impose des limites. Ce but ultime qui changera peut-être sa vie le terrifie. Se sentira-t-il vide après avoir atteint cette étape de sa vie? Ou alors l'interdit-il, par peur de perdre son pouvoir, de son autorité auprès des autres? Tant que le bonheur n'existe pas chez les autres individus, l'homme qui peut être un dictateur, une créature sans merci, peut les dominer et les opprimer. Il est dans notre devoir, afin de le rencontrer, d'accepter que chacun vive différemment, que la notion du bonheur soit différente selon les régions et pays où nous vivons, selon l'interprétation de chaque personne. Il nous faut savoir respecter toute façon de penser, de différences sociales, de couleur de peau, de religion, de culture, et surtout les libertés de chacun. Il nous est interdit de détruire, de briser les rêves, les projets d'avenir de nos frères humains. Alors, peu importe vos origines, vos croyances, votre parti politique, vos opinions, votre couleur de peau, votre culture, nul n'a le droit de vous dicter ce que vous devriez être ou ne pas être. J'en conclurai qu'en lui-même, le bonheur n'est certes pas un devoir, puisqu'aucun être au monde n'est contraint de tendre au bonheur, mais s'il demeure un droit universel et absolu.
Le bonheur d'autrui personnel ne dépend que de nous, de nos choix, de notre bienveillance. Il viendra à celui qui sait attendre, il restera auprès de celui qui l'entretiendra chaque jour. Je vous remercie de votre écoute.